Bonjour, je m'appelle Victor. Je suis vétérinaire responsable des communications techniques ici à Advance et aujourd'hui, sur Vets Clinics, et l'écosystème numérique pour les vétérinaires d'Advance Veterinary Diets. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Juan Hernandez, le docteur Juan Hernandez. Alors, le docteur Juan Hernandez était spécialiste en médecine interne, diplômé des collèges européens et américains de médecine interne. Sa thèse de doctorat portait sur l'étude de l'inflammation intestinale chez les chiens. Il est professeur dans le service de médecine interne de l'École nationale vétérinaire de Nantes et effectue ses recherches sur le rôle des microbiotes intestinales dans l'inflammation intestinale. Bienvenue Juan. Merci Victor. Alors je suis ravi de t'avoir parmi nous et Juan va nous parler des troubles digestifs chroniques chez les champs. Et tout d'abord, pour commencer à replacer les choses dans leur contexte, peux-tu nous rappeler Juan ce que l'on entend par troubles digestifs chroniques chez les champs? Oui, alors les, les, les troubles digestifs chroniques sont effectivement euh, très importants chez le chien et chez le chat. Et ce qu'il faut retenir à ce stade-ci, c'est que les modalités d'expression peuvent être euh, continues. Et ce qu'on définit comme chronique, c'est un animal qui présente des troubles digestifs chroniques depuis plus de trois semaines. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que certains animaux présentent des signes euh, cycliques, qui s'expriment sous forme de crise. Euh, donc un animal qui présente une entéropathie chronique, ce n'est pas forcément un animal qui est tout le temps malade, c'est un animal qui peut présenter des crises d'ordre digestif à un intervalle qui peut être plus ou moins handicapant, peut être un intervalle d'une de, de semaine, de deux semaines, ou plus sporadique encore. Et puis évidemment, tout ça, ça rentre dans le cadre des entéropathies chroniques dès lors qu'il y a cette cyclicité. En ce qui concerne les signes cliniques, alors évidemment, quand on parle d'entéropathie chronique, on pense à vomissements et diarrhées, ce sont les deux signes les plus importants. Mais pas que. Pas que parce qu'il y a un certain nombre de, de chiens et de chats qui vont exprimer leur maladie digestive avec un cortège d'autres signes que, sont, que, que la diarrhée ou les vomissements. Ce peut être des borborygmes, là encore parfois sous forme de crise, de borborygmes très importants, qui peuvent s'accompagner de signes de douleur abdominale, d'inconfort. Et je dirais que les petits chiens sont peut-être plus sujets à cette expression des entéropathies chroniques que les grands chiens. Des machonnements que décrivent les propriétaires à répétition. Euh, la position de la prière, la position de la prière, c'est un signe un petit peu particulier qu'on voit ici et qui euh, dénote la plupart du temps d'un chien qui est inconfortable dans sa partie abdominale crâniale et qui peut être là encore l'expression d'une entéropathie chronique. Et puis enfin, si l'entéropathie chronique euh, évolue on peut avoir une distension abdominale, et généralement, cette distension abdominale, elle accompagne les entéropathies qui s'accompagnent de pertes de protéines avec l'accumulation d'acides. Et puis, dernier signe euh, qui, dont, dont le lien ne paraît pas forcément évident de prime abord, c'est le prurite, où on estime qu'on a à peu près 20 à 30 des animaux qui présentent une entéropathie chronique qui, de manière concomitante, vont présenter un prurite, alors, un prurite qui est plutôt euh, sur les membres antérieurs, sur la face, sur le poitrail. Un prurite qui est de type atopie-like. Euh, donc, c'est vraiment cette association des deux qui est finalement assez fréquente. Des signes digestifs associés à des signes cutanés. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Certains animaux vont avoir le cortège de signes vont avoir le tableau complet. Certains animaux. Euh, vont n'avoir que la partie douleur abdominale ou la partie mâchonnement sous forme de crise et vont conserver pourtant des selles qui ont un aspect normal. Donc, il faut bien intégrer l'ensemble de ces signes comme étant des signes d'entéropathie chronique, quel que soit leur, euh, leur agencement. C'est très clair, merci. Alors, et on a identifié un chien avec des troubles digestifs chroniques. Alors, Juan, peux préciser les grandes causes que l'on doit envisager oui. ouais. Alors, dès lors qu'on a des signes qui permettent de dire que notre animal présente des signes d'entéropathie chronique, il faut avoir une, une image la plus globale possible des causes. Alors, de manière assez euh, schématique, mais finalement que je trouve assez pratique, on sépare les, les causes en deux grandes catégories. Les causes dites extra-digestives, l'insuffisance pancréatique exocrine diarrhée, amaigrissement, polyphagie, les causes métaboliques comme l'insuffisance rénale, la maladie d'Addison, l'hyperthyroïdie chez le chat un petit peu plus âgé, certaines tumeurs extradigestives peuvent s'exprimer par des signes digestifs chroniques qui, vont, euh, qui sont ceux d'une entéropathie chronique. Donc ça, c'est important d'avoir ces, cette première grande catégorie de causes en tête. Et la deuxième grande catégorie sont évidemment les causes digestives, au premier rang desquelles les causes parasitaires, les causes infectieuses, les entéropathies inflammatoire chronique qui constitue une entité importante, on détaillera un petit peu plus tard, mais très importante, et enfin les tumeurs. Donc, diviser dans sa tête les causes extra-digestives et les causes digestives est finalement assez pratique, parce que les causes extra-digestives, elles s'explorent par une prise de sang, et les causes digestives, elles s'explorent par des, 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 des tests fécaux, des tests thérapeutiques qu'on va détailler un petit peu plus tard. Donc voilà les deux grandes catégories de causes de diarrhée chronique chez le chien. Ok. Alors c'est clair, non? Tu as précisé que les entéropathies inflammatoires chroniques constituent un groupe assez important. Peux-tu nous rappeler, Juan, la classification actuelle des entéropathies inflammatoires chroniques chez les chiens? Okay. Alors, cette, cette, cette grande catégorie qu'on voit ici dans les causes digestives d'entéropathies inflammatoires chroniques, alors elle, elle n'occupe ici qu'une petite ligne, mais c'est vraiment la, la majorité des cas et c'est une, 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 une entité qui regroupe plusieurs catégories d'entéropathies. Alors on a euh, récemment euh, clarifié un petit peu cette classification des entéropathies chroniques, qui sont divisées en, en quatre grandes catégories. Euh, la catégorie du bas, celle qui est en vert et qui est la, la plus importante, on la voit ici en, en volume et elle reflète effectivement le fait qu que, que c'est le cas dans plus de 50 des cas. Ce sont les entéropathies qui répondent au changement alimentaire. Ensuite, on a une autre catégorie qui arrive ici avec une frontière qui n'est pas. Euh, très bien délimitées parce qu'elles se chevauchent forcément, ce sont les entéropathies qui répondent à la modulation du microbiote. Et entéropathie répondant au changement alimentaire et entéropathie répondant à la modulation du microbiote occupent quasiment 70% des cas d'entéropathie chronique inflammatoire auxquelles on est confronté en clinique vétérinaire. Arrivent ensuite les entéropathies qui nécessitent un traitement corticoïde, les entéropathies répondant aux immunosuppresseurs, qui sont finalement devenues plus rares. Et enfin, quand un animal ne répond plus à rien du tout, euh, ni au changement alimentaire, ni à la modulation du microbiote, ni au traitement immunosuppresseur, on appelle ça les entéropathies réfractaires. Cette part d'entéropathies réfractaires a tendance à diminuer parce qu'on se rend compte, euh, au fur et à mesure que le temps passe, qu'une partie de ces entéropathies réfractaires sont en réalité des entéropathies répondant au changement alimentaire que l'on n'a pas correctement identifié au cours du processus diagnostique. Dernier élément, c'est que chacune de ces catégories d'entéropathies en tout cas c'est vrai pour les entéropathies alimentaires, c'est vrai pour les entéropathies répondant aux immunosuppresseurs et c'est vrai pour les réfractaires, peuvent s'accompagner de pertes de protéines. Donc les entéropathies dites par perte de protéines, bah, on peut également les classer en entéropathie avec perte de protéines répondant au changement alimentaire. C'est plus fréquent qu'on ne le pensait. Avant une entéropathie avec perte de protéines, on attaquait directement avec un traitement immunosuppresseur parce qu'on pensait que c'était indispensable. Ben, on sait aujourd'hui que finalement, il y a une part non négligeable de ces entéropathies avec perte de protéines qui vont également répondre aux changements alimentaires sans besoin, sans nécessité de traitement immunosuppresseur. C'est valable pour les entéropathies répondant aux immunosuppresseurs, où ça existe aussi avec perte de protéines, et enfin pour les entéropathies réfractaires. En revanche, on n'a pas identifié à ce jour d'entéropathie avec perte de protéines répondant à la modulation du microbiote. J'ai noté ici, nous, nous avons en tête maintenant les diagnostics différentiels des troubles digestifs chroniques, qui incluent les causes infectieuses, métaboliques, tumorelles et cette grande catégorie des, des enté entéropathies inflammatoires chroniques. Ces idées étant en place, peux-tu nous indiquer, Juan, les grandes étapes de la démarche diagnostique lors des troubles digestifs chroniques chez les chiens Oui, maintenant qu'on a une, une idée euh, assez précise de... Du, du tableau qu'il faut avoir en tête. En, en pratique, comment fait-on En pratique, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première question, la première analyse, en tout cas, qu'il faut faire, et on peut l'analyser au cours de la consultation, c'est d'évaluer le risque d'exposition à un agent infectieux. Évidemment, si c'est un jeune animal qui sort d'une collectivité, le risque d'agent infectieux est élevé. Euh, si c'est un chat euh, ou un chien euh, euh, de 12 ans qui habite au 15e étage d'une tour euh, parisienne, le risque est évidemment moins élevé. Donc cette évaluation du risque infectieux doit être faite. Attention à ne pas le minimiser, euh, il n'est pas exceptionnel qu'on se rende à des étapes très avancées du processus diagnostique et qu'on s'aperçoive que la, la piste infectieuse n'a pas été correctement évaluée au début et qu'on découvre une cause parasitaire à la faveur d'une endoscopie par exemple. C'est dommage. Donc, cette première question-là, elle doit être vraiment euh, clairement adressée dès le début. Et s'il y a le moindre doute, il faut réaliser les trois analyses coprologiques standards qui permettent d'écarter définitivement l'hypothèse parasitaire. Donc, ça, c'est la première question. Euh... Ensuite, en pratique, on va diviser le, la situation clinique à laquelle on est confronté en consultation en deux grandes catégories. D'une part, les situations où il n'y a pas de signe de gravité. Je pense euh, au chien qui conserve un bon état général malgré la présence d'une diarrhée, conserve un bon état général, l'appétit est conservé, un chien qui n'a pas maigri, très important, il ne faut pas que le poids ait, ait, ait diminué, un chien qui n'a pas ou peu de vomissements, la, la présence de vomissements peut être un signe de gravité. Donc là, ce que je décris, c'est un chien qui est finalement assez peu atteint et qui présente que des signes de, de diarrhée, de sel mol, euh, peut-être des signes d'inconfort, mais tout ça n'a aucun impact sur son état général. Dans ce cas-là, je le plus cohérent, c'est de travailler à la fois sur l'alimentation et sur la modulation du microbiote, parce que ce sont des entéropathies à faible activité clinique, et là, je il faut prendre le temps de faire les changements alimentaires, je dirais bien les changements, parce que parfois, il en faut plusieurs, pour voir s'il s'agit d'une entéropathie qui répond aux changements alimentaires ou pas. Et après, en parallèle, peu importe, de travailler sur la modulation du microbiote pour voir si c'est une entéropathie qui peut répondre à la modulation du microbiote. Donc ce travail-là sur l'alimentation et sur la modulation du microbiote, il est très important chez un animal qui n'a qui pas de signe de gravité. A contrario, si on a un animal qui présente des signes de gravité, euh, qui a maigri, par exemple, qui a des vomissements qui sont assez fréquents, qui a des selles qui sont très liquides par opposition à celui-ci, qui a des selles plutôt bouseuses, s'il a un abattement ou de l'hyporexie, là, il faut rentrer dans une démarche d'exploration qui est plus importante en faisant une prise de sang. On détaillera ultérieurement les paramètres qui sont intéressants. Euh, une prise de sang, vérifier qu'il n'y a pas de perte de protéines, vérifier l'impact sur la cobalaminémie et détecter ici toutes les causes métaboliques qui peuvent s'exprimer par des signes digestifs de la sorte. Et puis ensuite, poursuivre le processus diagnostique par une échographie et des biopsies digestives. Euh, si euh, l'impact est important pour rechercher une cause soit inflammatoire soit tumorale. J'insiste bien à ce stade-ci, c'est que si on a pris la branche de droite parce qu'il y avait des signes d'inquiétude, qu'on a poursuivi l'ensemble euh, du processus diagnostique et qu'on met en évidence un phénomène inflammatoire, il sera fondamental de se reposer la question de l'impact de l'alimentation et de l'impact de la modulation du microbiote pour traiter cette inflammation. Il ne faut pas sortir l'arme corticoïde dès lors que l'on identifie une inflammation. Si les étapes alimentaires ou euh, modulation du microbiote n'ont pas été franchies en amont, si ça a été fait, l'arme corticoïde est sans doute importante, si ça n'a pas été fait, il est important de revenir à ces étapes de changement alimentaire et de modulation du microbiote. Super clair. Merci beaucoup Juan. Alors, la première étape est un alimentaire. Et quels sont les choix qui s'offrent à nous Et à partir de quand on estime que la cause alimentaire est écartée Alors, c'est une question qui est, qui est compliquée, à laquelle je n'ai pas forcément de réponse très, très tranchée. Donc, le changement alimentaire, on l'a vu, il se positionne ici, ou il se positionne en fin de processus diagnostique dès lors qu'on a euh, un processus inflammatoire. Euh, ensuite, quels sont les choix qui s'offrent à nous Il y a beaucoup de choix. Il y a les aliments hyper digestibles. Il y a les aliments avec protéines hydrolysées. Le protéine hydrolysée, c'est probablement l'aliment le plus utilisé et c'est le type d'aliment avec lequel on a le plus de succès. Quand on travaille en gastro entéron on se rend compte qu'il y a une grande partie des animaux qui, avec des aliments euh, contenant des protéines hydrolysées, ont une amélioration clinique substantielle. Mais ce n'est pas les seuls choix possibles il y en a d'autres. Il y a des aliments avec des ingrédients originaux. Avec une source de protéines originale, végétale, du soja, une autre source de, de, de protéines animales auxquelles l'animal n'a jamais été exposé. Des aliments enrichis en fibres, et ça aujourd'hui, évidemment, on a toutes ces entéropathies répondant euh, à la supplémentation en fibres, qui sont sans doute des entéropathies chez qui on module le microbiote, hein, parce qu'évidemment, l'impact de l'aliment et de la teneur en fibres de l'aliment est très important dans la modulation du microbiote. Donc, vous voyez que, euh, là, quand on parle de changement alimentaire, ça chevauche énormément avec la modulation du microbiote, parce qu'évidemment, il n'y a pas meilleur outil de modulation du microbiote que l'aliment. Euh, et puis enfin, les dernières possibilités, ce sont les rations ménagères, où euh, il est tout à fait possible de moduler, que ce soit la teneur en fraises, la teneur en fibres, l'apport en amidon, de faire une ration sans, avec ou sans amidon. Donc voilà tous les outils qui sont disponibles. Il n'y a pas une recette miracle. Malheureusement, il n'y a pas l'aliment miracle. Beaucoup de succès avec les aliments protéines hydrolysées, mais si ça ne marche pas, on n'a pas d'autre solution que de décliner les autres stratégies alimentaires et de les essayer et de voir si ça fonctionne. On considère qu'un animal qui présente des signes digestifs, on est en mesure de juger de l'amélioration après le changement alimentaire à peu près 15 jours après la fin de la transition alimentaire si on a fait une transition. Je dis si on a fait une transition, parce que si l'animal a des troubles digestifs importants, on ne fait pas toujours de transition. Mais si on a fait une transition, on se donne 15 jours, et à la fin des 15 jours, s'il n'y a pas d'évolution, on considère que ça ne répond pas. Attention, certains animaux vont s'améliorer lentement. Donc, s'il y a des signes d'amélioration au bout de 15 jours, ça peut valoir de coup de dire je prends plus de temps. Ça, c'est valable chez les chiots. Où des changements trop répétés vont être finalement plus perturbants qu'autre chose. Et donc, un chiot qui s'améliore au bout de 15 jours avec un aliment, mais ce n'est pas encore parfait, il est sans doute nécessaire de dire on va prendre plus de recul pour laisser que le microbiote, que l'imperméabilité épithéliale se rééquilibrer et se restaurer gentiment. Une autre question non, on a vu avant que la modulation du microbiote est une étape thérapeutique qui peut très menée en même temps que les changements alimentaires. Qu'en fait-on en pratique en fait. Alors Pour moduler le microbiote, quatre outils possibles. Le premier, l'alimentation. Bon, quand on parle d'alimentation et on sépare l'entité microbiote, ça reste une classification très théorique parce qu'évidemment, en changeant d'aliment, on change le microbiote. Euh, un aliment avec des protéines hydrolysées a un impact sur le, la composition et sur le fonctionnement du microbiote un impact positif donc quand on donne des protéines hydrolysées dans l'idée d'avoir un effet hypoallergénique, on l'utilise aussi pour son impact sur la modulation positive du microbiote. donc l'alimentation reste l'outil le plus important. le deuxième outil dont on dispose en clinique vétérinaire, ce sont les probiotiques. avec peu d'informations sur les probiotiques dont on dispose, mais peut-être une information qui ressort euh, davantage aujourd'hui dans l'usage euh, en gastroentérologie spécialisée, c'est de privilégier les probiotiques multisouches. Avec 4, 5, 6, 7 souches, on a, <coughs> semble-t-il, plus de succès avec l'utilisation de probiotiques multisouches. Le troisième outil dont on dispose en pratique vétérinaire, c'est la transplantation de microbiote fécale, qui est de plus en plus utilisée. Alors, qui paraît simple comme ça, parce qu'il suffit finalement récupérer les selles d'un chien et de les transplanter à, à un receveur, qui n'est pas forcément si simple que ça, parce qu'il y a un dépistage du donneur qui est assez lourd à mettre en œuvre euh, avant de le faire. Euh, il y a une, une logistique qui n'est pas forcément si simple, mais techniquement, euh, c'est tout à fait faisable. Euh, il y a actuellement un consensus qui a été publié sur les, la, la modalité de réalisation de la transplantation de microbiote fécale chez le chien, qui est accessible et qui peut être pratiquée par euh, tous les vétérinaires. Et puis enfin, le quatrième outil dont je ne parlerai pas beaucoup, parce que on ne sait pas grand-chose, mais qui est un outil... Prometteur, c'est l'utilisation des postbiotiques. Et postbiotiques, ce sont soit des bactéries qui sont inactivées, euh, qui sont mortes, à la différence des probiotiques où la bactérie est vivante et, et, et peut être cultivée dans les sels, hein, si on se donne les moyens de le faire. Le postbiotique, la bactérie est morte, et donc on compte sur la capacité de cette bactérie morte à rééquilibrer un microbiote déséquilibré. Ça, c'est un outil pour le moment qui est assez peu exploité, mais qui est très prometteur parce que c'est évidemment beaucoup plus facile. De gérer un post-biotique qu'un probiotique, parce que ça se mélange à l'alimentation. Donc je pense que c'est quelque chose qui est amené à se développer dans les années à venir. Très oui, intéressant, très 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 clair. Et alors, tu en as parlé avant, que tu reparlerais un peu, un peu plus tard, mais quand faut-il recommander la réalisation d'une prise de sang et qui est d'Austin Oui. Alors la réalisation d'une prise de sang, on la positionne un petit peu où on veut dans le processus diagnostique. Il y a en dehors de l'aspect purement médical et scientifique, il y a évidemment l'aspect gestion du propriétaire et chaque praticien peut le positionner très tôt ou très tardivement selon les attentes, selon l'inquiétude, selon l'expérience du propriétaire. Certains propriétaires sont très demandeurs et on peut tout à fait répondre à cette attente-là. Si je mets de côté cette considération-là qui reste très importante quand même et que je me penche uniquement sur le volet médical, la prise de sang devient importante dès lors. Que les signes digestifs sont d'intensité importante et donc présentent des signes de gravité. Donc, un animal qui a maigri, un animal qui, en plus d'avoir de la diarrhée, vomit, un animal qui présente, que sais-je, de la polyéropolydipsie, un animal qui présente des modifications comportementales. Là, la prise de sang s'impose pour plusieurs raisons. La première, c'est écarter les causes métaboliques qu'on a évoquées tout à l'heure <laughs> l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie chez le chat vieillissant, la maladie d'Addison chez le jeune chien, euh, peut s'exprimer sous cette forme-là. Ça fait partie des maladies qu'il faut écarter dès lors qu'il y a des signes euh, généraux qui apparaissent avec les troubles digestifs. Et, euh, et le deuxième objectif de cette prise de sang, c'est d'évaluer l'impact de l'entéropathie sur l'organisme. Et il y a deux paramètres qu'il qui ne faut pas rater. C'est la mesure des protéines totales et de l'albumine pour vérifier que cette entéropathie ne s'accompagne pas de perte de protéines. Parce que si elle s'accompagne de pertes protéines, là, le processus diagnostique doit être accéléré. C'est une situation qui est potentiellement dangereuse. Mesurer l'impact en termes d'absorption de la cobalamine. Est-ce qu'il y a une hypocobalaminémie, une hypovitaminose B12 qui nécessite une prise en charge thérapeutique spécifique et qui peut éventuellement nous éclairer sur la cause. Est-ce qu'on pense qu'il y a simplement une dysbiose pour expliquer une hypocobalaminémie, ou est-ce qu'on pense qu'il y a une maladie de l'iléon qui empêche l'absorption de la vitamine B12? Donc ça va forcément soulever un certain nombre de questions, amener des recommandations thérapeutiques, la supplémentation, et peut-être amener une exploration plus poussée de la région iléale, si on a un doute. Je pense au chat un petit peu vieillissant, où là, évidemment, les biopsies iléales vont s'imposer. Et le dernier paramètre qu'il ne faut pas oublier, même s'il est plus rarement impacté, c'est la numération et formules sanguine, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anémie qui s'installe, d'anémie fériprive, qui pourrait être le reflet de saignements chroniques digestifs. Donc voilà l'objectif de la prise de sang, écarter les causes métaboliques, évaluer l'impact de l'entéropathie, protéines totales, albumine, cobalabine, énumération formule 5. Super. Alors on va aller un peu plus loin. Et quand faut-il recommander une exploration un peu plus poussée, de type échographie ou de type endoscopie avec biopsie oui. l'exploration, le, 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 à mon sens, idéalement, là encore je, je mets de côté les considérations. Euh, propriétaires qui sont pourtant importants, des considérations qui peuvent être financières, qui peuvent être d'inquiétude, de non-inquiétude, de, non de volonté de, de, ou pas volonté de, de faire ça évidemment on y est tous confrontés en tant que clinicien et cette, euh, la démarche elle doit être adaptée également en tenant compte de ce paramètre là. Je mets de côté cet aspect là, l'idéal c'est de positionner ces examens avant l'utilisation des corticoïdes c'est à dire que quand on en arrive à se dire tiens, cet animal a peut-être besoin d'une corticothérapie L'idéal, c'est de faire cette exploration échographique et biopsie digestive avant, avec pour idée derrière la tête, qui est de dire je vérifie qu'il s'agit bien d'un phénomène inflammatoire, de type lymphoplasmocytaire et ou éosinophilique, c'est le plus classique, et qu'il ne s'agit pas d'un autre type d'inflammation, par exemple neutrophilique, qui soulèverait d'autres questions, des questions d'une cause infectieuse que je n'aurais pas identifiée, et qu'il ne s'agit pas d'une cause tumorale, par exemple. Si cette biopsie permet clairement de dire qu'il s'agit d'une inflammation lymphoplasmocytaire. Je vais à ce moment-là forcément m'interroger sur les étapes alimentaires et modulation du microbiote et si je suis sûr que j'ai fait le tour de ces étapes-là, je peux à ce moment-là me permettre d'utiliser la corticothérapie. Si euh, la biopsie indique une inflammation d'une autre nature. Ben il faudra répondre à ces questions-là. Si c'est une inflammation suppurative, il faudra se demander s'il n'y a pas un phénomène infectieux dans la paroi qu'on n'a pas identifié. Il faudra le rechercher spécifiquement. Et si s'agit d'un phénomène tumoral de type lymphome, là évidemment le traitement est plus euh, ciblé. J'insiste sur cette position idéale de l'exploration parce que si on utilise l'arme corticoïde sans autre modalité d'expression, on prend le risque, ce risque peut être assumé, mais on le prend, de soit dégrader la situation si c'est une cause infectieuse qui est en cause et qui n'a pas été identifiée, soit d'améliorer transitoirement la situation s'il s'agit d'un lymphome, mais de le laisser ensuite rechuter dans des conditions qui vont permettre un traitement beaucoup plus, de manière beaucoup plus compliquée, parce qu'un traitement qui peut résister désormais à tout traitement de type chimiothérapie. Donc, Quand on peut, on le positionne avant, et si on ne peut pas, mais bah écoutez. Très clair, prise de sang, échographie, endoscopie. Pour finir, déjà, dernière question. Dans ton expérience, Juan, et les recours au traitement corticoïde, est-il fréquent ou pas Alors, au, au final, au final c'est devenu rare. Quand on se pose vraiment la question, en fait, ce qui se passait, euh, il n'y a pas si longtemps de ça, il y a quelques années, dès lors qu'on recevait un examen histologique qui montrait qu'il y avait une inflammation lymphoplasmocytaire, on disait « ah ben bah, donc c'est une maladie à médiation immunitaire, corticoïde mmh. ». Et finalement, on se rend compte qu'un animal qui a une entéropathie répondant au changement alimentaire ou un animal qui va répondre au, à la modulation du microbiote a exactement la même photographie histologique. Donc aujourd'hui, la mise en évidence d'une inflammation d'infoplasmocytaire n'est plus du tout un argument qui légitime l'utilisation du corticoïde. Ce qui légitime l'utilisation du corticoïde, c'est de s'assurer que l'on a bien franchit les différentes étapes alimentaires et, et on a vu que les, les essais alimentaires pouvaient être nombreux, hein, on peut en faire 4, 5, 6 éventuellement, avant d'utiliser les corticoïdes. Et donc au final, en pratique, ben ils sont plus rarement nécessaires. On peut les utiliser transitoirement si on a une situation un petit peu instable, une inquiétude, une, un, un inconfort qui, qui nécessite une corticothérapie, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler sur l'alimentation et d'essayer de s'affranchir de cette corticothérapie si c'est possible. Merci beaucoup pour euh, la clarité, je dirais, de ta présentation. Quoi que tu nous as donné des conseils vraiment très, très utiles euh, pour vous. Et vous pouvez accéder à la présentation de Juan si vous voulez sur notre chaîne YouTube. Et si vous l'avez trouvé intéressante, la présentation, n'hésitez pas de liker la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles sur nos futurs webinars, abonnez-vous à la chaîne Vetsan euh, Clinic sur YouTube. Merci beaucoup. Merci, Juan. Merci, Victor.